Salut à tous les amis, c'est Danton Bell, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Assassin's Creed Origins, c'est donc la quatrième partie de ce 10e épisode. Précédemment, on avait terminé les quêtes secondaires de Memphis, et il nous manquait plus qu'à fouiller quelques petits endroits par-ci par-là, et de continuer le scénario, chose qu'on va s'empresser de faire. Alors là, je crois qu'il y a un coffre à trouver par là. Attendez, on va vite le savoir. Hop. Hop. Il y a d'autres choses par là. Non, c'est des entrées et tout, je crois. Donc c'est pas... Bon, ça ne m'intéresse pas. Allez. Par contre, il y a des gardes là-dedans, va falloir faire gaffe. Je ferais bien d'être prudent par ici. Ouais. Ah, hop. Hop, un headshot. Bon bah lui du coup c'est grillé. What, hop, 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 hop. Si tu crois que je t'ai pas vu mon gars. Attends, tu parles à un... Tu parles à un mec qui est en train de se faire prendre des coups de tac dans le cul. Mais... Non mais il est fou lui. Non mais... Oh. Bon, attends. Non, ça va me gaver l'histoire là. Allez, c'est bon, tu te calmes là. Non mais... Le mec il s'est pris pour un ninja. Voilà. Tu croyais que t'allais m'avoir. Tu m'as pas eu. C'est bon, le mec s'est pris pour Batman là, à balancer des fumigènes. Allez, c'est bon. On a des trucs... Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Un petit document. Très bien. J'espère qu'il n'y a pas un trophée pour avoir lu tous les documents comme ça, parce que on n'est pas dans le caca sinon. Ah, on a quand même des trucs à récupérer qu'on n'avait pas remarqué. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Allez, impeccable. Du coup, sur notre chemin, bon, tout ça en haut c'est fait. En fait, on a bien géré parce que finalement il nous reste plus. Ça c'est fait. On va hop, juste faire ça. Et je crois qu'on a bah, trésor à récupérer là et là. On a cette zone à débroussailler. Et c'est bon. On en a fini avec Memphis. Sans compter bien entendu la quête principale. Mais je pense que la quête principale, je vais m'en soucier là au passage. Et j'espère qu'il me mènera au campement qui me manque à vider. Ce serait un gain de temps monumental. Et peut-être qu'on pourra en terminer avec cet épisode 10 dans cette quatrième partie. Ça tenait de la convention qu'on fasse 5 parties par épisode. Mais c'est vrai que 4 parties ça me convient très bien. Ça nous permet d'accélérer un petit peu. Savoir qu'il me reste une semaine et demie pour vous terminer proprement ce let's play. Bon, je pense qu'en une semaine et demie c'est faisable. Sans compter qu'il sera pas vraiment terminé, étant donné qu'il y aura des extensions qui arriveront par la suite et qui compléteront l'histoire, bien entendu. Allez, on va se synchroniser là-haut. Bah déjà je crois que les secrets de la première pyramide, la quête secondaire que j'ai à faire là, c'est un truc de la précommande. Il me semble, hein. Après c'est peut-être pas sûr. C'est pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est un bonus de la précommande. Après ils me font rire généralement les mecs avec leur bonus de précommande, parce que sur Destiny 2 on a, avec Emma on l'avait précommandé. Et justement nous, enfin bon après en soi on s'en fout hein, c'est pas nous on le précommande pour avoir le jeu le jour J et pas batailler et tout ça. Mais bon généralement quand vous faites une précommande ils vous vendent toujours le truc, vous allez avoir une arme en plus ou un bidule ou une mission tout ça. Et au final vous vous rendez compte que le truc n'est pas du tout exclusif et que sans avoir
avoir précommandé le jeu, vous pouvez très bien accéder à la mission ou à l'arme. Donc c'est vrai que pour ça, c'est rarement une vraie aubaine, quoi. Enfin, faut toujours faire, faut toujours prendre avec. Ne prenez pas une version de luxe ou gold en précommande, tout simplement parce qu'on vous le vend, parce qu'il y a tel bidule et tel bidule en plus, sous prétexte que vous l'avez recommandé. Ne faites jamais cette erreur. Précommandez un jeu si vraiment vous tenez à l'avoir le jour de sa sortie, mais pas pour X et Y raison. D'accord, bon, vous êtes mignon là avec vos machins là, mais... Ah, c'est là-bas. D'accord. Allez, le saut de la mort. Bon, du coup, je vais accélérer parce que c'est plus loin, à 200 mètres. On va choper les coffres quand même avant de faire la mission. Ouais, je suppose que la mission va se passer là-dedans. Hein. Hop, 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 hop. Merci. Voilà, efficacité. Et ce que je peux faire, c'est limite de dessouder les mecs. Comme ça, ce sera fait et ils seront plus là pour la mission. Parce qu'à tous les coups, on va devoir venir par là pour la mission. Donc, tant qu'à faire. Il est où? Il est là. Ah, bon. Ah, c'est vrai que j'avais mon nouveau bouclier, je l'ai débloqué la dernière fois et en faisant des parades, en effectuant des parades réussies, je peux avoir un petit peu de santé en plus. Ok. Allez, hop, oui, bah du coup après je speed, hein. Je vais pas passer un temps fou là-dedans étant donné que on a quand même des choses à faire. J'ai déjà passé 3 vidéos en début d'épisode pour vraiment prendre le temps de découvrir les trucs dans la zone. Je vais pas en perdre plus que ça. Et mine de rien, je tiens juste à faire la petite parenthèse pour que vous remarquez quand même ce que j'ai fait. A savoir que, hormis cette zone qui a été éclairée, ces deux zones d'ailleurs. Hormis ces deux zones qui ont été éclairées parce que je suis passé dedans sans vraiment le vouloir pour effectuer une ou deux quêtes ou poursuivre un bidule. Toutes les autres zones... Il faut que dans votre tête, ces deux zones, vous les foutiez. Toutes les autres zones, par contre, je les ai fouillées au maximum. Toutes les autres zones, je les ai vraiment fouillées au maximum. Après, c'est vérifiable, effectivement. Mais normalement, j'ai tout fouillé dans toutes les zones que vous voyez. Memphis, on est en train de la finir. Mais sinon, là, tout ça, vous voyez, je l'ai séché. Regardez ce qu'il me reste à faire. Il me reste tout ça. C'est pour ça que je vous dis qu'en une semaine et demie, ça va être tendu de vous terminer ce let's play. Ça se trouve, dans une semaine et demie, ce let's play ne sera pas terminé. Il va falloir que je passe un petit peu plus de temps encore à vous le terminer. Ça ne me surprendrait pas. Je vérifie un petit peu, mais ouais, il me semble que ce let's play va se terminer dans longtemps. Parce que là, on se dit, ouais, non, ça va, le jeu, il va se rusher assez rapidement. Non, je suis à plus de 30 heures et je n'ai fait... là, en voyant la carte comme ça, on se dit, ouais, effectivement, on a rusher, c'est bientôt, t'as bientôt fini de rusher la carte. Non, 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 si vous regardez bien... Il me reste une surface abusée. Il me reste 3 fois à peu près ce que j'ai déjà exploré. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc c'est pour ça. En fait, je pense que dans une semaine et demie, étant donné que bon, j'essaie quand même de jouer non-stop et aussi de bouffer, de dormir et bien entendu de pas vous tartiner de je ne sais combien de vidéos par jour. Le maximum que j'essaie de vous produire, c'est 4-5, histoire que bon, vous ayez quand même le let's play complet assez rapidement. Mais c'est quand même beaucoup, même pour vous. Je pense que 4-5 vidéos par jour, c'est pas forcément regardable au moment où je le sors. Donc c'est vrai que là, je vois, même dans une semaine et demie, j'aurais jamais terminé. C'est pas possible. Je suis en train de m'en rendre compte. Enfin, je m'étais dit une semaine et demie, ça va aller, mais en fait, pas du tout. Et à savoir que je vais avoir un autre jeu
Donc il va y avoir, je vais avoir un autre jeu qui où j'avais prévu de faire un let's play dessus. Mais ça se trouve, le let's play il va attendre. A savoir aussi qu'avec avec Emma, on avait quand même pour projet de se prendre un autre jeu pour vous proposer potentiellement un autre let's play. Mais un jeu qui va sortir ouais, mi-novembre quoi. Donc ça fait deux jeux qui sortent mi-novembre, en sachant les jeux qui vont sortir bah ouais, encore vers la fin d'année et tout. Tu oses m'accuser? C'est énorme quoi. Toi qui as passé les trois derniers. Ah. Zut. Bon bah du coup on continue le scénario. J'ai pas fait exprès, désolé. Nous avons peut-être oublié une partie du rite. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clairvoyant. Laisse-moi, je t'en prie. En tout cas, je suis déjà à une quarantaine de vidéos sur ce let's play. Là, je vois la quantité de trucs qui nous reste à faire. C'est abusé. Je sais pas en combien de vidéos je vais le faire, ce let's play. Ce sera un petit record sur ma chaîne. En sachant que j'avais prévu il y a un petit moment de faire The Witcher 3, qui est à peu près du même ordre en termes de durée. Ah, Bayek, désolé, je suis... Et j'ai renoncé. Je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible malédiction. La maladie, la pestilence... La puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort. Les dieux nous ont abandonnés. Alors, les taureaux étaient vénérés, mais très craints, parce qu'ils représentaient. Ils représentaient une icône de la mort, en fait. Ou du moins du gardien du purgatoire ou une connerie comme ça. Enfin, vache. Le mal se répand même à ma propre maison. Il y a tellement de divinités ma femme que. Taïmotep a fait trois fausses couches cette année. Elle est de nouveau enceinte, mais si elle en perd un quatrième. Je vais enquêter sur cette malédiction. Le clairvoyant de ma femme t'aidera. Sa maison se trouve au sud-ouest. Si les dieux sont responsables, je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. C'est vrai que le jeu d'ombre et lumière est quand même surprenant bien fait. Je trouve que l'ombre et lumière proposées dans les petites cinématiques et les petites mises en scène sont sacrément bien fichues. C'est pas pour dire, il y a des défauts, hein, y a des défauts hein, dans le jeu. Hein. Mais en termes d'ombre et lumière, le jeu est quand même bien maîtrisé. Hein. Faut dire ce qui est. Bon, par contre, je vais pas faire le requin parce que je crois qu'il y a du monde là-dedans. Oula, il y a des trucs là-dessous, au-dessus. Ça mène où ici? D'accord, sortie de secours. Un truc bleu, ouais, mais bon, on n'est pas assez près. Bon, je vais peut-être pas pouvoir vous la faire, la quête principale. En sachant que ça va peut-être prendre du temps. Ou alors je vais l'entamer et on s'arrêtera en cours de route. Et on enchaînera et on fera effectivement une cinquième vidéo pour terminer. Parce que c'est vrai que initialement, j'ai pas envie de vous faire... attaque bondissante, ils m'ont repéré ou quoi? Ah non, c'est des serpents. C'est vrai qu'initialement, je tiens pas à vous faire des vidéos aussi longues. Hein. Je me les fais à distance. Je veux pas me les coltiner à la retombée. Il y en a plein. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Ah mais il y en a deux autres, je crois. Mon gars, tu vas te calmer. Voilà, c'est bon. Normalement. Ah, j'aurais pu péter les jarres en feu. Ah, oh, ça me les aurait validés, je suis sûr. Les kills.
Wap. Bah tiens. Hein. Tu vas payer pour pour tous les autres. Ah ça en, ça en tue plusieurs. Ah c'est bon. Ah c'est bon. Ça serait bien que ça me les valide ces kills. C'est kill par le feu là. Et toi tu prends ou... Voilà. C'est ça qui est bon. Allez, un petit coffre. Boum. Bon du coup ouais, je me suis un peu craqué sur cela. Alors je suis où? Zut. Je suis là. Bon ça, a priori c'est par là que je vais hein. Du moins j'espère. Le coffre est là-bas. Allez hop 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 hop. Fais péter mon gars. Franchement il est énorme. Franchement je... Effectivement j'ai peut-être été un peu rude en disant que le jeu ne méritait pas un... Enfin non, effectivement le jeu ne mérite pas un 19,5 sur 20. 19,5 sur 20 c'est une note complètement irréaliste. En sachant que les mecs ont travaillé 4 ans dessus et que le jeu est truffé de petits défauts sortis d'usine quoi. Donc mais après j'ai été peut-être un petit peu rude en disant que le jeu ne méritait qu'un 17 sur 20. C'est vrai que par rapport au contenu complètement ahurissant que le jeu propose, effectivement le jeu mérite bel et bien je pense un bon 18 sur 20 en tant que fan de la série. Après c'est vrai qu'il y a des trucs au niveau du scénario qui sont quand même hyper arrangeants et pas forcément hyper équilibré et crédible. Pour le moment je vois au niveau des quêtes secondaires tout ça. Mais forcément il y a forcément des inégalités dans les quêtes secondaires. Ça c'est un... On peut pas faire un contenu secondaire aussi bien qu'un contenu principal. Et vous pourrez me citer tel jeu ou tel bidule ou tel machin. Je suis désolé, il y aura toujours un truc... Il y a des quêtes secondaires qui sont nickel, on a vraiment l'impression que ça fait partie du scénario principal. Mais il y a quand même d'autres quêtes secondaires où c'est de la quête FedEx pure et dure. Et où bon voilà, le script est hyper arrangé de sorte de... Voilà, d'arranger les pots quoi. D'accord, bon bah du coup, ça je peux le lâcher. Hop. On va juste liquider les mecs là et choper le coffre. Et on va s'inquiéter de la quête principale. Je vais en même temps regarder le temps qu'on a en tout. Boum. J'ai failli la contrôler. Pour rien. Ah, limite faudrait que je fasse un truc, c'est de passer avec la flèche dans la maison. Oh, ça serait tellement stylé. Vous voulez qu'on le teste? Non, il se barre de toute façon. On peut pas. Oup. On peut faire un truc maintenant. Ne veux pas attirer l'attention ici. Hop, on récupère notre flèche. Bon, c'est... Ça me perturbe, la flèche enflammée. Tous les dieux. Il est... Crac. Mon gars t'emballe pas. Bon on a plein de trucs. Vite fait le document. Faites pause si vous voulez lire. Voilà je vous ai laissé le petit timing exprès pour. Je récupère tout ça. Ouais j'aurai pas le temps de faire la quête principale là. Il y a trop de trucs à récupérer. Je veux prendre mon temps. J'ai pas envie de le... En fait j'ai envie de le rusher le jeu. Mais dans le bon sens du terme. De vraiment profiter du truc à fond. Mais sans le speeder comme un malade. Et du coup de louper la moitié du plaisir que le jeu pourrait nous procurer. Parce que franchement j'ai mis 100€ dans ce jeu. Avec le season pass compris et tout. Je l'ai précommandé, j'ai fait l'américain, j'ai dit vas-y, c'est un Assassin's Creed de ouf, les pyramides, ça me fait kiffer. Mais du coup, Hein, mec. Allez mon gars, prochainement. Ouais, ne bouge pas surtout. Voilà. Donc les autres copains sont là-bas. J'ai complètement zappé où était le coffre. Non, je crois que le coffre je l'ai ramassé.
Autant pour moi si j'oublie des choses. Je suis dans le feu de l'action, donc forcément je suis pas Ah ben vous voyez, c'était dans un temple et dans un truc à moitié comme ça, au truc de Cléopâtre que je vous disais. Il y avait une statue, il y avait un petit coffre à côté. Et il y avait un graphite dedans. Non voilà, je vous dis, j'ai quand même investi dans ce jeu. Et je trouve que c'est un bon investissement. Franchement, aujourd'hui, dire d'un jeu neuf, surtout en démat, donc du coup à plein pot, à un prix exorbitant, parce que franchement 70€ un jeu neuf, c'est juste abusé. Mais pour un jeu avec un contenu tel que celui-ci, avec la petite hype qu'il y a autour et le fait que ça reste un Assassin's Creed et que je suis un fada d'Assassin's Creed, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et je suis content d'avoir fait cet achat. Il y a des jeux, bon je les achète neuf. Honnêtement c'est parce que j'ai envie de les avoir, parce que je suis gaga de jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit: ouais mais t'es con, t'aurais dû attendre que ça coûte moins cher. Ce jeu là franchement j'ai aucun regret. Pourtant Emma elle a fait la gueule hein, quand on a vu que la précommande était disponible. Et et elle est partie à la douche. Elle est revenue et hop là, top. Je peux pas faire ça. Elle est revenue et enfin elle est sortie de la douche. Et je lui dis: bon bah c'est bon, j'ai commandé Assassin's Creed hein. Et elle me fait je suis sûr que t'as pris la version la plus chère à 100€. Je dis bah oui obligé. Par ici. Hey, les ennuis on dirait. Oula. Allez boum, tu crames. Bon du coup je suis grillé. Tant qu'à faire. Mec, ce serait bien que tu te débloques de l'arbre. Merci. Voilà. Hop là, on va bouger les chevaux. Oh, la petite esquive. La petite esquive maîtrisée. Hop là. Allez, c'est bon. Tu m'as saoulé. Alors, je fais juste la petite pause qui va bien. Oui désolé hein, je vous ai raconté un peu ma vie là en vous parlant de ma précommande d'Assassin's Creed. Je suis sûr qu'il y a la moitié d'entre vous qui en ont rien à secouer. Ok bon, il y a ça derrière, il faut quand même le considérer. Parce que c'est le dernier truc qui nous reste de la région, donc ce serait dommage de passer à côté. Ok oui, la petite pause, j'avais dit. Bon, on va dire qu'il nous reste au maximum 20 minutes. Ce serait bien ce qu'il nous faudrait pour s'occuper correctement du campement là-bas, là, des méchants. En sachant que c'est à 150 mètres que la quête est là. Non, je ne veux pas. Hop là. Allez, on s'éloigne de la quête un tout petit peu. Je valide le campement. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on se penchera sur la fin de la quête principale. Donc du coup, ça fera bel et bien 5 vidéos. Hein. Faut pas m'écouter quand je fais des estimations. C'est n'importe quoi. Alors, il y a un paquet de monde. Le chef est là. Boum, boum. Ah oui, j'ai toujours pas essayé d'apprivoiser un croco ou... Ce serait tellement marrant. Une entrée secrète encore? Non, un coffre. Très bien. Quoi? Ah, d'accord. Franchement, c'était stylé. Je croyais que j'avais loupé, mais pas du tout. Pourquoi par contre? Ah, mais c'est en dessous. Non mais attendez les mecs, les coffres souterrains, je veux bien, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries là. Mais il est où le passage? Il est où ce putain de passage? Ah non! Les mecs! Faites pas ça! Bon. Ah, il y a trois coffres en tout. Oh, mais
Alors, peut-être qu'il y a un passage pour aller plus bas là-dedans. J'y crois pas trop. Aider les habitants, donc pour libérer quelqu'un. Ouais, bah t'es dans la merde, quoi. Ah, oui. Effectivement. C'est un sacré passage. Et bon, on va descendre. Pour mieux remonter. Bon, j'ai plagié légèrement Batman. Ah. What? Ouais, à savoir que voilà, hein, un croc de serpent, c'est un tiers de vie. Enfin, encore, j'ai la vie quasiment au maximum, donc j'imagine même pas. Allez, un coffre sur deux. Par contre, il y a un coffre là-bas. Quoi, c'est en passant par là-dessous? Ah oui! Ouais, comme ça, voilà, on prend bien le temps de tout fouiller, tout ramasser. On loupe rien. On se fait pas engueuler par les viewers. Allez, Coco, accélère. Bonjour. Ouh, il te manque un bras, toi. C'est pas très rassurant. Tu... What? Mais... faire défoncer. Il m'a carrément fait flipper ce con. Par contre, 2 sur 2, mais il me semblait qu'il y avait un autre coffre affiché. D'accord. Bon, ben, écoutez, c'est une bonne nouvelle. On a tous les coffres ici. On peut se barrer, je ne sais plus par où. Par là. Et oui, il y a encore un coffre. Un coffre au bonus, pourquoi pas. Du coup, on remonte. Par où, je ne sais pas encore. C'est rien. Quoi? Oui, bah, pff, voilà. Hein, la planque la plus pétée. Oup, hop, 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 hop. Je te tiens. Ouh, c'était violent. C'est tout? C'est fini? Ah, il y a des petits trucs à ramasser, des petits bidules. Ah, croco. Ouais, il y a plein de crocos à ramasser, mais non. Je suis pas. Je suis pas quelques curigites près. Là, il y a un truc à ramasser. Bien là, on l'avait loupé tout à l'heure. Bientôt au niveau 32. C'est une bonne nouvelle. Alors, je me demande encore c'est quoi le maximum en termes de level. Bon. Il y a un truc là derrière. Memphis. C'était le nom du père de Mumble dans Happy Feet. Interprété par Hugh Jackman. D'accord, bon là c'est une impasse. Je sais même pas pourquoi je monte. Ok, est-ce que je peux grimper tout simplement? Ouh, ça va être compliqué tout ça. Je suis obligé de faire le tour. Ou alors de passer par là où je suis descendu finalement. Ouais, je pense que ça va se jouer à la Mission Impossible 2. Tom Cruise représente. On va grimper à main nue dans le canyon. Ouais, il y a les stalactites qui me font chier. Il me semble que stalactites c'est celles qui descendent et les stalagmites c'est celles qui sont au sol. Peut-être que je me trompe. Ouais, Coco, ça va pas le faire. Ouh là là, allez, mort par choc à la tête volontaire. Bon, je crois que faut que je fasse tout le tour. Parce que là, si j'essaie comme ça, on va tenter, hein. Mais j'y crois pas. Bah non, 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 non. Là, t'es bloqué, mec. Là, t'es totalement bloqué. Allez, hop, arrête tes conneries. On maintient, voilà. Bon, du coup, faut que je me retape tout, fait chier. Enfin, tout.
peut-être un croco au bout. On peut faire les kékés. Allez. Grimpe, mon ami. Voilà. Là, ça va, c'est crédible. Enfin, il y a toujours lui là-bas, mais... Ouais, par contre, ça va être long. Hey. J'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Oh là. Hop, ça c'est fait. Quoi? Rien ne dit que le danger soit passé. Je suis planqué? Oui, je suis planqué. Il vient de voir son collègue se faire tuer, assommé par... Allez, viens là. Si tout le monde vient d'affilée, moi je suis d'accord. Par contre, toi... Hop. Non? Tu veux pas venir? Je me sers beaucoup de cet arc, mais c'est vrai que l'autre... Mais mieux vaut rester prudent. Allez, de toute manière, on se valide ça et on va s'arrêter là. Oui, j'aime bien prendre mon temps, je suis désolé. Hein, il faut prendre le temps qu'il faut, de toute manière. Je vais pas accélérer, courir comme un dératé et me saper un peu le plaisir qu'a un Assassin's Creed de tuer discrètement dans l'ombre. C'est ça, Assassin's Creed. C'est buter des gens avec la lame secrète. Il y a pas de jar. Bon, je suis mort. Bien. Tu vas crever. Hop 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 hop. Non, je me suis craqué. Je me suis totalement craqué. Allez, on va tester ce truc de la parade. Voilà, bah effectivement, ça donne d'huile. Oh, oh, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Mais si, tu vas mourir. Ah, c'était cool. C'était cool. Allez, aider l'habitant. Hop, déverrouiller la porte. Du coup, de l'XP en plus. Impeccable. Toi, on va te tuer. Avec un petit headshot des familles. Impeccable. Bon, et ben écoutez, c'était pas mal. C'était tout simplement pas mal. Ben, du coup, je vous dis à très vite pour la suite de cet épisode, enfin de cette vidéo, pardon, de ce let's play sur Assassin's Creed Origins pour justement terminer ce fameux épisode. Donc, prochaine vidéo, ce sera la fin de l'épisode 10 normalement, si la quête principale ne prend pas trop de temps. A priori, on est vraiment sur la fin. Donc là, on va bientôt savoir qui est le lézard. Et probablement on va devoir l'oxyr comme toujours, faire notre taf d'assassin, ou du moins de Medjay, tel qu'il est énoncé dans cet Assassin's Creed. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr, ciao tout le monde.